Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous emmène à Mafate 3 jours avec moi et je vous montre tout ça, c'est parti, let's go. Ouais, ça secoue un peu, ouais. Il bombarde comme un malade. Donc en fait, pendant ces 3 jours, on est à Mafate. Mafate, c'est un cirque. Dans l'île de la Réunion, il y en a 3. C'est Laos, Salazi et Mafate. Mafate, la petite particularité, c'est qu'on peut y aller qu'à pied. Voilà. Donc aujourd'hui, on va d'abord à Grand Place. Et ensuite, je vous fais l'itinéraire au fur et à mesure. Parce que déjà, je suis mort. Ça fait 1 heure qu'on est parti, je suis mort. Donc en fait, nous, pour vous montrer, on va là, ici, voilà, à la passerelle, passer une des étapes, hein. Après on n'a pas fini. Donc voilà, on vient de passer le panneau Grand Place et Cayenne. Et il y a écrit sur un panneau Cayenne une demi-heure et Grand Place 50 minutes. Alors qu'on vient de passer le panneau qui dit qu'on rentre dedans. Mafate, tu vas me tuer. Je crois que c'est le bon panneau ce coup-ci. Et on va dormir juste là derrière ce que je viens de vous montrer en image. C'est super mignon et super original, franchement. Ça fait plaisir, regardez. Il faut savoir que le gîte où nous sommes appartient à la famille de l'ancien facteur de Mafate, Yvrin Posé, qui est une figure emblématique à La Réunion. Il parcourait le cirque à pied pour distribuer le courrier, car il n'y a aucune route. Il était lui-même le fils du premier facteur de Mafate, et pendant ses 40 années de fonction, il aurait parcouru 253 000 km à pied, soit 6 fois le tour de la Terre. Et comme vous avez pu le voir, il a même sa propre statue. Bon voilà, maintenant qu'on est arrivé, qu'on a fait les petits plans, etc. On va se poser, on va prendre une douche parce que ça fouette un peu, honnêtement. Et puis on va manger tranquille. Et puis bah, on se retrouve demain, sinon, pour la suite de cette aventure, c'est-à-dire le jour 2. À demain. Une bonne grosse nuit de sommeil avec un réveil plutôt sympa avec la vue que je viens de vous montrer et la maison
qui m'impressionne toujours. On va aller déjeuner tranquille et puis on va prendre la route après jusqu'à la deuxième étape qui est horaire, qui est ici. Ce que vous voyez tout sur une map. Et on a 4 heures à peu près, 4 heures, 4 heures et demie de marche. Je vous fais des bisous et à tout de suite. Let's go. Bon voilà, on vient de partir du gîte et ça commence direct par de la montée. Attention, je vous ai dit aujourd'hui 800 mètres de dénivelé à peu près positif. Donc on va grimper un peu, mais bon, c'est cool aussi. Première étape, il est à Bourse. Et au fur et à mesure, on arrivera à la fin, à Horaire, qui est notre étape ultime pour aujourd'hui. Bon, la première étape faite, hein, arrivé à Illet-à-Bourse comme je vous disais. Deuxième étape, Illet-à-Malheur. Voilà, on est bien monté et la vue est pas dégueulasse. Attendez, je vous montre. Voilà, voilà, bon, il y a pire. Hein. Un piéton sur la passerelle, c'est rassurant. Un seul. Oh putain, ça bouge. Oh, c'est... oh putain, c'est de l'acrobranche. Voilà, fallait passer que un par un. Et je comprends mieux pourquoi, parce que... Voilà, ça bouge énormément. On est à Illet-à-Malheur les hauts, mais il faut encore qu'on aille à Illet-à-Malheur les bas. Illet-à-Malheur normal, quoi. Bon, normalement, si c'est les hauts, c'est qu'on devrait descendre, non? Pas sûr. Ah bah non, voilà la preuve, on était à une lettre à malheur Léo et on continue à monter, c'est bien ça. Donne pas l'impression d'un démon qui sort du sol là, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai pris quelques images, parce que je trouve ça magnifique, ces racines qui s'enfoncent à travers la pierre, et ça fait un effet un peu bizarre, un peu glauque, je trouve. Voilà, je suis peut-être chelou aussi. Hein. Bon, voilà, on vient de sortir de Illet-à-Malheur. Ce que vous venez de voir justement en image, c'est justement cette illette-là. C'est magnifique. Les couleurs des toits rouges, etc. C'est vraiment beau. Hein. Dernière ligne droite. Allez, on lâche pas, 35 minutes et on est enfin arrivé. Ouh. Eh ben, il y en a des passerelles, mais celle-ci, c'est la plus haute, hein. C'est la plus vertigineuse. Ouh. Heureusement que c'est solide, hein, pas comme celle que vous avez vue. Heureusement qu'il n'y a pas écrit un piéton sur celle-ci. Hein. Je pense qu'on aurait un peu bégayé.
Bon, comme vous le voyez, il y a deux itinéraires. Horaire par sentier rapide et horaire par sentier facile. Chat, tu veux passer par quel sentier ? Facile ou rapide ? Bien sûr, oui, oui. D'accord, après 4 ans d'endo, elle me dit, il faut faire une boucle, il faut tout faire. Oui, oui, d'accord. Facile. Facile, en fin de 5 minutes, je suis d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Vous voyez ce toit rouge au loin ? Ça, c'est la victoire, ça. Oui, oui, enfin, sacrée journée, hein. Ouh, ça, ça fait plaisir, hein. Ça y est, on est arrivé. Voilà, il est, je sais pas, 16h pratiquement. On est parti à 9h40. Donc il disait 4h30. Après, on s'est beaucoup arrêté, on s'est baigné. Enfin, pas baigné, mais en tout cas, on est descendu au bassin, on s'est arrêté pour prendre des plans, etc. Donc on est pas trop mal niveau timing. Et puis, bah, je vous laisse voir la vue, quoi. Désolé pour la luminosité dégueulasse, mais c'est le soir et bon, bah, la lumière ici est pas ouf. Mais en tout cas, voilà, fin de cette journée numéro 2. Après une petite douche et tout, ça fait du bien. Là, on va aller manger tranquille, après on va se reposer. Et on entamera demain la journée 3, qui est le retour. Si ça vous plaît, toutes ces images, tout ce que je vous montre, etc., n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Moi, ça m'aide énormément et ça me remercie pour mon travail. Et puis, je vous dis une bonne nuit, à demain. Et voilà, départ du gîte aujourd'hui, on est le jour 3, le jour du retour. Ça va être que de la descente, donc plus cool. Je vous montre tout ça, on est parti, let's go. Et c'est la fin des 3 jours. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. J'espère que les images vous ont plu et que le circuit vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss !